croix. Mon frère, ma soeur, tu vas prier et dire merci au Seigneur pour la vie qui a repris une nouvelle vie. Car bien aimé dans le Seigneur, avec la vie de l'Église qui a repris les activités, nous on repris aussi alléluia. Alléluia. Tout ce qui était mort, vos activités qui étaient mortes, vont reprendre aussi vie. Parce que notre Seigneur est la vie. Tous l'ouvrage de vos mains qui était en sommeil avec la vie qui a commencé, vos ouvrages vont revenir. Alléluia. Vous qui étiez toujours en activité. Alléluia. Malgré la fermeture du ciel. Et que vos activités ne marchaient pas. Maintenant que la vie a repris. Maintenant que on a remis encore le pays dans les mains de notre Dieu. Les choses vont reprendre vie. Vos activités vont reprendre vie. Vos commerces vont reprendre vie. Alors nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour notre vie qui a recommencé pour nos activités. Lève ta voix maintenant et bénis le Seigneur qui redonne vie à ton travail, qui redonne vie à ton commerce, qui redonne vie à ton mal de terre, qui redonne vie à ton projet. You are God of my life.
You
à l'État
la guérison commence de façon extraordinaire. Alors tu vas lever ta voix et demander que ce miracle-là se produise, que dans les centres où ces malades sont recueillis, et les relève promptement de façon indiscutable. Et qu'on puisse faire un lien entre ces guérisons et les lieux du culte où des gens se rassemblent pour prier. Alléluia. Nous allons passer un moment à chanter d'abord. À être rassasié de l'adoration du Seigneur avant de prier. Alléluia. 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 Avant de prier pour ce sujet, nous allons chanter ensemble. Sanitaire.
œuvres qui sont ouvertes dans le domaine de Jinja. Et je crois que plus rien dans le monde ne sera comme avant.
Alléluia. Ce n'est pas que les moyens ont manqué à ces personnes. Alléluia. Les moyens financiers, les moyens matériels, c'est des avions qui ont déplacé certains. Alléluia. 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 Mais la parole du Seigneur nous a dit. Dans Luc 12, le verset 15, que nous allons lire. Puis il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il est dit cette parabole, non, c'est bon, qu'est-ce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est grand du monde, c'est grand de ce monde, les puissants de ce monde. Au moins, tireront la leçon de ce que leur vie ne dépend pas de ce qu'ils possèdent. Alléluia. 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 Ta vie ne dépend pas de tes biens. Ta vie ne dépend pas de tes richesses. Ta vie ne dépend pas de ton argent. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ils l'ont compris. Avec l'avènement de cette pandémie, j'ai vu des chefs d'État prier. Bien aimé, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Si c'est l'argent, il y en a. Si c'est le matériel, il y en a. Il y en a tout. Mais ils ont compris. Au moins que cette fois-ci, que leur vie ne dépendait pas de ce qu'ils avaient. C'est une grâce pour toi, mon frère, ma soeur. Si toi, n'ayant rien, si toi, inconsidéré, méprisé, tu as la grâce de connaître cette parole du Seigneur. Que ta vie ne dépend pas. Nous allons prier. Bien-aimé. Nous allons prier. Et dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. De le connaître. De le connaître. Aujourd'hui, tu dois comprendre que connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grande richesse. Une grande richesse. Et le fait que tu saches, que tu sois convaincu que ta vie ne dépend que de lui, c'est une grâce. C'est pourquoi nous avons
grâce. Merci pour ce qu'il fait dans notre vie. Pendant que les grands de ce monde sont impuissants, devant un petit fléteur qui a paralysé le monde. Mon frère, ma soeur, les entreprises ont fermé. De grandes compagnies aériennes sont tombées et ne pourront plus jamais. Le monde entier, un petit fléteur de démons, les a enfermés. Vous voyez toute une ville comme Paris, il n'y a pas mouche dans la rue. Si un petit frère microbien ou micro arrive à faire cela, que ferait notre Seigneur? Quand il se réveillera, mon frère, c'est une grâce pour toi que tu aies connu le Seigneur et que tu aies compris. Ta vie ne dépend pas de ces choses. Ta vie dépend de lui. Tu vas lui rendre grâce pour cela et demander qu'il jette son regard favorable. Il vous a mis dans sa parole. Cela doit nous amener à faire en sorte. Il dit sa volonté, c'est que tous les hommes connaissent la vérité et soient sauvés. C'est une grande responsabilité pour toi. À compter de cet instant, tu dois comprendre que tu dois annoncer la volonté, que tu dois annoncer Christ, la vérité, que tu ne peux pas rester dans ton lieu de confort, n'est-ce pas? Et ignorer ceux qui meurent à côté de toi. C'est le moment plus que jamais. Pour que son nom soit glorifié. Tu vas élever ta voix. Tu vas lui rendre grâce pour cela. De ce que tu bénis son Saint-Nom. De ce que il t'a donné de comprendre que ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est puissant. Ils sont morts. Alléluia. Alors, pas plus tard que le week-end dernier, nous étions à un enterrement. Disons, bien aimé. Voilà, ils ont bâti le monde. À quoi ça te sert, mon frère, de souffrir, de construire un immeuble de 20 à 5 étages? Tu ne peux pas dormir dans deux chambres à la fois. Mais le jour où tu vas mourir, mon frère, le jour où tu vas mourir, ma soeur, ils ne vont même pas t'accorder dans ce champ. Ils vont te sortir de ton immeuble. Vous avez accordé 2 mètres carrés. Or, de ta maison. Pour toi,
soir c'est terminé, tu es le bon roi, c'est nous qui sommes. Viens, on va te loger. On va te loger. On va te garder. Mon frère, ma soeur, gardez-vous de toute avarice. Et comprenez que votre vie que l'argent, les biens, oui. Alléluia. Si ça pouvait les sauver, alléluia. Ils ont dit, si cela leur est arrivé comme cela, quel serait votre cas? Vous, qui n'avait même pas. Bien aimé, le jour, le premier jour où nous avons rencontré les autorités, il disait que il n'avait que deux respirants. Toi, mais comment vous avez l'inspiratorateur, il y avait que deux, et un était en bas. Et donc, mon frère, ma soeur, alléluia, ta vie ne dépend pas, mon frère, sache-le, ta vie ne dépend pas de ça. Et c'est une grâce pour toi que tu aies connu celui, celui qui détient le souffle dans ses mains. Et tu vas lui rendre grâce. Et cette grande richesse qu'il t'a donnée. Ensuite, tu vas prier. Mon frère, ma soeur, pour que le réveil qui veut commencer maintenant, parce que l'évangile va être annoncé. Alléluia. Et les fils reviendront au Père. Alléluia. Et les hommes reviendront à leur Créateur. Alors, élève ta voix pour rendre grâce au Seigneur pour cette grande richesse qui t'a permis de nous en savoir que ta vie ne dépend pas. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que cela est bon et agréable devant lui, devant notre Seigneur, notre Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est toi qui es dans la vérité. Alléluia. Et si tu ne vas pas vers eux pour leur montrer la vérité, comment connaîtront-ils la vérité? Et comment pourront-ils être sauvés? Le Seigneur a dit, quand vous levez les yeux, vous voyez que la moisson est prête. La poisson est prête.
Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur est vivant. Que le Seigneur est celui qui est le détenteur de notre vie. Que nous ne sommes en rien. Vous avez entendu dans cette période le nombre de morts par jour. Mon frère, ma soeur, ces pays civilisés, riches, importants, j'ai vu des gens remplacer des poissons. Bien aimé. Oui, parce qu'il n'y avait plus de place dans les morts. Il n'y avait plus de place. On était obligé de mettre les gens dans les camions frigorifiques. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont compris aujourd'hui que le Seigneur est le seul détenteur du souffle de la vie. Et la boisson est prête. Le cœur sont à présent ouverts pour écouter. Parce que malgré tout ce qu'ils ont, ils n'étaient pas à l'abri. Le Seigneur te dit, toi, il dit, ils vont tomber mille à ta droite. Tu ne seras point à ta droite. Dis un grand amen. Et en tant que c'est une grande responsabilité. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dois leur faire connaître la vérité. Tu vas être ta voix. Alléluia. Après qu'on ait chanté 5 minutes, tu vas lever ta voix. Et tu vas dire, Seigneur, que je ne quitte pas cette terre sans t'avoir amené au moins si je disais que ça ne s'est pas là. Merci. C'est vous. Alléluia. Alléluia. Oh, il est bon, notre Dieu. Chante de tout ton cœur. Et tu vas dire à la fin de notre chant, Seigneur, fais de moi un instrument pour amener les gens à connaître la vérité. Jusqu'à ce que nous obtenions la victoire totale. Nous allons faire une avant-dernière prière. Alléluia. 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 Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les affaires. Alléluia. Alléluia. Qui ont connu des baisses. Alléluia, parce que c'est mondial.
Amen. Ils ne couleront pas. Nous allons prier pour eux afin que le Seigneur redonne vie à leurs entreprises. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les rende prospères. Que le Seigneur utilise cette situation pour les bénir au-delà de leur Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier pour les frères et sœurs en Christ qui sont dans les affaires. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne baisse pas les bras. Tiens ferme. Crois en Dieu. Crois en notre Seigneur. Partout où tu es. Sache que tu as un instrument dans ses mains. Prie. Jusqu'à la victoire totale. Alléluia. Alléluia. Prie. Jusqu'à la victoire totale. Alléluia. Car ta bonté, tu vas vraiment dire
merci au Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons passé en sa présence. Oh, tu vas lui dire de tout ton cœur merci pour la vie des frères et sœurs. Tu vas lui dire vraiment merci pour sa présence au milieu de nous ce soir. Tu vas lui dire vraiment merci pour tous ces bienfaits à notre famille. Lève ta voix et prie pour le Seigneur. Alléluia.